Allez, on est parti, donc vous le voyez. J'ai loupé mon intro, mais c'est pas grave, on se retrouve donc sur Racing, eh oui. Moi qui avais dit terminé, j'ai voulu retenter l'expérience. Juste pour voir les nouveautés qui ont été apportées. On est donc sur Road Atlanta pour 20 minutes. Donc la série, ça doit être Fanatec GT3, je sais plus quoi. Donc, c'est ma troisième course. On est P10. Alors, circuit que j'aime pas trop, hein, pour être clair. On va essayer de la jouer cool. Et c'est vrai que bah, si tu veux jouer en ligne, en simu, à part e-racing et ACC, voilà quoi, ça se passe là, en termes de choix. RF2 c'est mort. Restroom ça commence à mourir tout doucement. Ah c'est tout, j'y suis plus, hein, le premier du nom. Et de toute façon sur les lobbies c'est toujours les mêmes combos qui ressortent. Donc et MS2 c'est surtout le soir. Donc là je sais plus, un mois ça doit être 13€. C'est vrai que j'ai fait une course hier. C'était sur Summing Point, je crois, en multiclasse entre guillemets. Il y avait un peu de Toyota GR, il y avait un peu de Clio, il y avait un peu de Mazda, enfin, il y avait un peu de tout pour faire une belle course. Et on était 36 sur ce petit circuit. Donc c'était assez intéressant. Donc là, désolé, hein, c'est vrai qu'en termes de réglage, en termes de tout, je suis encore au début. J'ai pas encore tout remis comme il fallait. Là, il va falloir un petit peu que ça s'éloigne au niveau des lignes, puisque c'est vrai que je suis à 60 fps, c'est pas encore le mieux. Allez, on va se concentrer juste pour le départ. C'est Optix. Allez, c'est bon, ça commence à rouler. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'erreur permise hein, sur le racing. Il avait quand même malade, lui. Meilleur freinage, mais voilà. Je sais même pas si je l'ai dit, hein, je suis avec la Féfé. Oui, mal placé, lui. On a failli déjà se tuer au deuxième tour. Alors pourquoi je retente? Bon bah déjà merci Adams, hein, c'est vrai que si tu regardes la vidéo, bah merci, grâce à toi j'ai retenté. Bon merci, je vous dirai plus tard, mais effectivement
J'y avais pensé déjà depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'il y a toujours du monde. Alors bien évidemment, c'est pareil hein, selon les séries. Mais j'ai testé la petite Toyota 86 là. Je me rappelais plus qu'elle était gratos. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. C'est assez rare pour le souligner. Alors, par contre, une chose que je dois dire, au moins vert, c'est pas ça. Je vais m'expliquer. C'est pas dégueulasse, hein, attention, pas ce que j'ai dit. Mais ça vaut déjà pas du tout MS2. Et ça se bat entre RF2, je pense, et lui. MS2, mais reste loin devant. Mais alors, j'ai peut-être coupé des détails graphiques, hein, mais je suis quasiment à fond partout. Donc, je vois pas ce que je pourrais améliorer. Si vous avez des infos ou des astuces, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est clairement pas le plus gros, ça. Bon, on a laissé un petit peu d'espace. Un petit peu en difficulté devant. Une bagarre là avec 3 devant, ça peut être pas mal. En piste, lui, il me fait peur. Ouais, c'était chaud. Mais je crois aussi que ce que j'ai besoin, c'est un peu d'adrénaline. C'est-à-dire que, je sais pas comment l'expliquer, il n'y a que iRacing et ACC qui me donnent cette... Ce petit truc en plus au départ, et même pendant la course, hein, là j'ai pas le piton qui est bien plus élevé que si je roulais sur AMS ou autre chose. Est-ce que c'est le manque d'habitude? Est-ce que c'est, je sais pas, la perte de SR ou de points ou des choses comme ça qui fait qu'il y a un peu plus de tension? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant que j'ai pas retrouvé ailleurs. Les prendre les deux là, enfin les trois. On est dans le même rythme, hein, mais pas l'astuce pour l'instant. Thank you.
va camper sur un freinage ou autre chose, il faut que je me méfie. Je suis pas du tout en mesure d'attaquer hein, pour l'instant. Par contre derrière... bien sortir ici, mais j'ai l'impression que je le passe un peu moins bien. On va se montrer. C'était chaud. Ah, il m'a touché, je crois. Bon, je regarde ça, mais je crois qu'il m'a touché. Je paye pour moi. Combien de temps il reste? Ouais, je bouge avec mon button box. Ils n'ont pas trop fait perdre de temps. Notre P9. Merde. Je peux rien faire. Il n'est pas encore là. Je le vois pas. Là, il est juste là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Bon bah il s'est tué après je crois. Alors, je vous montre au montage, hein, je pense pas avoir fait une erreur. On verra ça plus tard. Va-t-il revenir sur ce devant? Il manque un peu plus de place. Ah j'ai loupé. Ah ce virage là je l'aime pas.
tu vois, si tu passes mal, tu te fais bouffer dans la ligne, une droite, et surtout zéro freinage. Le courir ici. Sa 4 de son, à mon avis, au niveau FPS, ça commence à tirer, je suis à 60. Ah, 8ème, il a 3 secondes 8. À 5 minutes. Restez concentrés. Faut dire ça pour louper. Le freinage. Je le vois dans mon rétro de gauche, celui de derrière. Je me méfie ici hein, parce que si tu accélères trop tôt, il y a spin assuré. On sait dur les pneus. Ah, il y aura moyen devant. C'est là où il faut attaquer, mais pas trop pour pas se sortir. Claquette, oh putain, ça. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? L'erreur qui peut coûter très cher, personne qui arrive, non? Et là, il va me demander de réparer, je suppose, non? Ce serait logique, le tampon que je viens de prendre. Alors, je pense que j'ai touché l'air, moi, je vois pas quoi d'autre.
Ah bah non, elle va mieux qu'avant. Un peu dommage ça. On est tombé 13e. Perdu 4 places dans l'affaire. Il en a fait 55, c'est un peu trop loin. Mais bon, voilà, c'est comme ça. À quoi, 1 minute 30 de la fin. Comme je vous avais dit que rien ne pardonnait, bien en avoir l'exemple. Ah, on va encore mettre à ça. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est... C'est un petit moment de déconcentration, je sais pas. Forcément, la bagnole est moins stable. Bon, ça aurait pu être pire. Derrière, c'est à 3 secondes, ça va revenir. Ça revient méchamment dans la ligne droite. Dernier tour. Il y a eu quelques belles bagarres, quelques frayeurs aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça joue des fois à rien du tout. Après, est-ce que j'ai aimé, est-ce que je me suis fait plaisir? Oui. Est-ce que c'est difficile? Oui, là. La reprise est très difficile. Avec un freinage pour assurer la médiocre 13e place. Mais bon, dans l'ensemble, c'était une bonne course. Juste cette erreur, bah, forcément, qui va entacher. Le bénéfice des trois quarts de course. Voilà, c'est comme ça, il faut faire avec et l'accepter. Bon, bah, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Tchuss.